Il s'est passé un véritablement de tonnerre sur la planète. Dans la soirée de mercredi 8 janvier, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Par conséquent, tous les deux ont décidé d'aller s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, et de devenir indépendants financièrement. Si l'annonce a provoqué un tsunami auprès des médias, de son côté la reine Elizabeth était au courant de rien. Alors que l'annonce est tombée comme un coup de couteau, certains avaient vu venir le retrait du prince Harry et de Meghan Markle. Et pour cause, tous les deux ne se sentaient plus à l'aise au palais de Buckingham depuis bien longtemps, et sentaient même comme des étrangers parmi les autres membres de la famille royale. Et ce n'est pas tout, Johnny Diamond, correspondant royal pour la BBC, a fait des révélations sur les parents du petit Archie. Selon le spécialiste, tout au long des voyages, rendez-vous et visites officielles du couple royal, beaucoup de tâches ne leur convenaient pas. Trop de pression sur les épaules, il y avait beaucoup de parties du travail royal que tout simplement, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, n'aimaient pas. Harry était doué avec les grandes foules, mais il détestait tout ce qui touche aux cérémonies et ne supportait pas les caméras, a expliqué Johnny Diamond. Et ce n'est pas tout, selon lui. De son côté, Meghan Markle ne voulait pas se faire passer pour une porte-parole et une figure sans voix. D'autant plus que dès que l'ancienne actrice de Suits s'exprimait, elle recevait une vague de critiques. Il y avait simplement trop de choses à porter sur les épaules, pour assumer les rôles de premier plan au sein de la famille royale britannique, a ajouté Johnny Diamond.